De toute façon, j'arrive pas à décoller des chaînes d'infos. Hein. En boucle, en boucle. Ah non, mais je te comprends. Hein. Non, c'est vrai, c'est tellement fou. Tiens, tu sais le groupe qui joue au Bataclan? Ben, mon fils a leur album. Ah, lequel? Oh, ça, je sais pas, je connais pas le titre. Non, mais de fils. Ah, tu vois, je suis encore... Ouais. Lucas, il écoute tout le temps, hein. Il connaît les paroles et tout. Ah, tu m'étonnes qu'on se sente tous touchés. Quand je pense qu'on avait passé 15 jours à Paris avec Patrick en septembre... Ah ouais? Bah si, je t'avais dit. Le coup de l'angine blanche. Ah oui, exact. Ouais, enfin bref, on avait fait un échange d'appart avec ma belle-sœur. Mmh. On était sans les enfants, c'était super. Mais un matin, on était dans le quartier de la République. On était quoi? À 100 mètres du resto, là, le petit Cambodge. C'est fou. On était là, quoi. À peine 2 mois avant. Et vendredi, ma belle-sœur, je l'ai appelée toute la soirée, je tombais sur le répondeur. Je te dis pas l'angoisse. Elle habite par là? Non, elle est sur Nanterre. Enfin là, elle était au ciné. Bon, je sais pas ce qu'elle est allée voir comme bêtise. En tout cas, ça l'a sauvée. À quoi ça tient finalement, hein? À rien. Non, mais quand y pense, on s'emmerde vraiment pour rien. Alors qu'on devrait, je sais pas moi, tiens, aller à la mer. Hein, se faire une douzaine d'huîtres, je sais pas moi, profiter de la vie. Et novembre, c'est pile l'époque en plus. Moi bon, en même temps, juste avant de dîner, là, c'est. Ouais, ouais, et puis moi, passer 6, ça m'écœure vite. Hein. Tiens, en parlant de ça, j'ai appris un truc aujourd'hui. Quoi donc? Bah le truc, c'est que je peux pas trop t'en parler, quoi. Ah. Non, c'est juste que je m'en souvenais, quoi, c'est tout. Ouais, bah ok, ok, j'insiste pas. Non, en fait, c'est à propos de quelqu'un de la boîte, c'est pour ça. Ah, de la boîte? Ouais, ouais. Du coup, c'est un peu délicat, tu vois. Ah bah j'imagine. Ah non, non. Non, non, là, t'imagines rien du tout. Non, parce que c'est très délicat. Oui. Non, si tu veux, c'est en rapport avec quelqu'un qu'on vient peut-être de voir entrer tout seul, alors que d'habitude, on le voit peut-être entrer accompagné. Eric? Chut. Pardon, pardon. Bon, admettons que ce soit ça. Je t'ai rien dit. Hein. Oh, bah, tu dis rien de toute façon. Hein. Bon, alors, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est peut-être en rapport... Il y a peut-être une raison pour laquelle cette personne dont tu parles et qui rentre seule, rentre seule. Bah, Mélissa est en arrêt maladie, non? Attends, elle n'est pas en arrêt maladie? Attends, attends, alors, ce serait à cause d'Eric? C'est ça? Du coup, il y aurait eu... Ah bah ça, je sais pas. Oh non, c'est évident, ils rentrent toujours ensemble. Bah, nous aussi, on rentre ensemble. Oui, mais nous, c'est pas pareil. Ah bah non, ça, c'est sûr. Bon, allez, tu craches le morceau, là. Tu vas me mettre en retard pour la gym. Bon, ok. Mélissa a posé 15 jours pour s'occuper de son mec parce qu'il a été blessé vendredi à Paris. Oh, mais non! Ah, mais si. Et c'est pas tout. Non? A priori, il était censé être au Stade de France avec un pote. Eh ben, il était en terrasse et pas avec un pote. Oh là là. Bon, hé, tu gardes ça pour toi, hein, je t'ai rien dit. Bon, tu veux que je le dise? Bah tiens, je sais pas moi, à Martine. Bah Martine, oui, mais à part ça... Bah Joël. Oui, Joël, à la limite. Bah je sais pas moi, à Samuel alors. Oh bah non, Samuel, non, certainement pas. Pourquoi pas Samuel? Je t'ai pas raconté.